Alors, le récepteur spécifique pour l'antigène de la fibrillée, c'est l'IgG membranaire. Les deux choses qui viennent pour la possibilité, c'est à la fois les IgM et les IgD. La possibilité Mathieu Corocco. La possibilité j'ai une mémoire, ça peut être l'IgG, l'IgA, l'IgE2. La possibilité de mémoire pour agir à partir de la possibilité qui ont fait le switch. Hein. Alors, de la possibilité, la réaction du. Alors, le BCR, faites le BCR pour. C'est l'hydrogène et l'hétérodimère et j'ai alpha et j'ai bêta. Nous allons voir un schéma. Voilà, le BCR. Il y a, pour certains antigènes, il n'y a pas de switch. On reste toujours avec les fonctions de la CGR. Donc, voilà. Tout ça, c'est le BCR. Ou FAMA, eh bien, c'est le récepteur. Il y a quelqu'un qui a le co-récepteur. Le co-récepteur, les molécules montagnes qui sont toujours extrêmes, qui participent, qui contribuent. C'est le CD19, c'est le CD21, c'est le CD3B récepteur, etc. Alors, donc, l'immunité membranaire a deux sites de reconnaissance pour l'antigène. Le BCR a un seul site de reconnaissance pour l'antigène. Hein, et puis, comme pour le BCR, l'immunité membranaire assure la reconnaissance de l'antigène, mais la portion intracytoplasmique est extrêmement floue, ne peut pas assurer l'interaction avec les protéines de la membrane intracytoplasmique pour la transmission du système d'activation. Et donc, cette transmission du système d'activation va être assurée par cette hétérodimère, Mβ1, Mβ29, IgAlpha, IgBeta, la restitution du CD. De toute façon, l'interaction CD, c'est le CD79 alpha-bêta. L'hétérodimère IgAlpha, IgBeta. Ou RDS, c'est le même, le motif ICAM, RDS, c'est le même, PCR, le CD3, IgAlpha, IgBeta, le PFC, récepteur, Gamma, c'est plus ou moins le même motif avec une séquence consensuelle et ça permet donc d'interagir. On a le signal, imaginez qu'on ne pas changer, mais on pas de la transmission sur la même voie généralement. Donc le BCR, c'est tout ça en fait. Alors, le lymphocyte B avec son immunoglobuline membranaire reconnaît l'antigène directement dans sa forme native. Hein? كما هو الانتيجين مش حتى يديغرامي ابريبي اتسيتيرا لو ماسوسيتي الانتيجين ليبر ان سوليسيون لي موليكول لي بارتيكول اتسيتيرا الانتيجين على السرفاس دو لي باكتيري اتسيتيرا لي ميزو ديكيتيمون اتس لا سي بي كابابل دالي سي لانتيجين ديريكتومون Alors, les marqueurs membranaires du lymphocyte B. Hein? Les marqueurs membranaires du lymphocyte B, marqueurs au repos. Hein? Bien sûr, de la moelle osseuse. Bien sûr, ce qui définit le lymphocyte B, sans quoi on ne peut pas parler de lymphocyte B, l'immunoglobuline membranaire, les immunoglobulines de surface, ou membranaires, IgM, et IgD. Ce qui définit le lymphocyte B, c'est le CD19. Point. Ah. Le reste, je ne sais pas, dans d'autres cellules. Alors, HNO. Et LFA1, elle passe partout. Tous les leucocytes, pratiquement, expriment LFA1. LFA1 est une molécule très importante pour les contacts cellulaires, hein, pour la diabète, etc. Donc, et la contre-structure, c'est ICAM1. Hein? LFA1, c'est des 11A, c'est des CD18. Quoi de la tête pour qu'il a les récepteurs du complément, je vous ai dit le CR2, le CR3, le CR4, c'est des bêta-2 de prime. Bah, la poussée, je vais m'attendre à la séance, 2 séances, 3 séances.
Alors, le CR3, le CR4, c'est les récepteurs du complément et les récepteurs du C3D2. Mais, je vous dis, en fait, ce sont des bêtas électriques qui expriment la même chaîne bêta, une chaîne bêta connue avec EFA1. Et que, avec ces réponses A, c'est des unités qu'on a à EFA1, ces réponses B, c'est des unités qu'on a du CR2, ces réponses C, c'est des unités qu'on a du CR3. Et les enfants qui ont un déficit en ces deux études, la chaîne bêta électrique, pour un déficit immunitaire, le déficit au niveau des infections, avec les infections répétées, etc. Donc c'est pour dire l'importance de cette molécule LFA. Alors, CD20 donc, est exprimé sur les B. CD21, c'est le récepteur pour le C3D. En tout cas, comme on le disait, le CR2, il n'a pas grand-chose à faire dans la physiologie du complément. C'est plutôt au niveau de la physique qui va jouer un rôle encore avec le T, en termes de co-récepteur. Je vous ai fait le schéma, vous allez voir comment est-ce que les molécules vont dans l'air, l'antigène. Et sur l'antigène, vous avez le C3D, même le C3D, hein, sur le C3D et l'IG. Moi, j'ai le C3D, j'ai le C3D. Même sur le C3D, vous avez la conformation C3D. Et donc, vous avez le C3D fixé sur l'antigène, et l'IG à la base de la cellule. C'est les antigènes, c'est le récepteur pour le C3D. Bon, c'est le C3D qui est déjà fixé sur l'antigène, bon, avec le co-récepteur. Donc, il va intervenir dans l'activation du lymphocyte B. Alors, lymphocyte B exprime HLA classe 1 et HLA classe 2. Le lymphocyte B, comme toutes les cellules B, exprime HLA classe 1. Mais en plus, le lymphocyte B exprime de façon constitutive, remplacer le HLA classe 2, ce qui lui permet de pouvoir présenter l'antigène pour l'lymphocyte B. Bien sûr, c'est des 4 plus. Le lymphocyte B, pour pouvoir une fois, avoir quelques fois, et à remplir l'antigène, réactiver pour pouvoir proliférer, poursuivre sa maturation terminale, il a besoin que si le vide, il va venir être produit, fourni, et le contact pourra être fourni par l'intensité. Et justement, le contact, ça va se faire avec quoi? Avec l'intensité. Avec le CD40. Le CD40, le CD40, de l'intensité, au repos, exprime le CD40. Et la lymphocyte B, au repos, n'exprime pas le bilan du CD40. C'est lorsque la lymphocyte B a été activée, la réaction B et la lymphocyte B est activée, au repos, la lymphocyte B va exprimer le CD40 bilan, et l'interaction du CD40 bilan va permettre de donner au lymphocyte B le signal à poursuivre dans l'activation, la prolifération, le switch par la suite, la communication des électriques nécessite donc l'interaction CD40-CD40-Ligand. Vous avez des enfants qui ont une mutation au niveau du gène CD40-Ligand, hein, ou à la place du gène CD40, on se l'appelle le syndrome Fréchier. Ah, on a changé le gène, etc. La coopération entre l'infocyte B et l'infocyte B. L'infocyte B avec son unité de l'unité membranaire. Reconnaît l'antigène. Ok? Spécifique. IGA1, IGB1, en fait, le signal de l'activation de l'infocyte B. L'infocyte B est activé, donc va entrer en contact avec la densité, l'antigène va endocyter le complexe qui est directement à l'antigène, il va l'endocyter, dégrader, donc l'immunité de l'antigène va enrichir encore à droite, l'antigène va dégrader, et il va présenter les peptides. On va voir tout à l'heure sur un schéma, il va présenter les petits immunogènes
à sa surface, par la situation du molécule H à S2. Et c'est sous cette forme que la possibilité de la neurotransmetteur explique qu'il y a un bon récepteur spécifique de ce petit antigénique avec ses molécules H1. Je veux dire, attention, moi j'ai un truc bizarre, il faut m'aider, c'est. Et là, on va donner le signal de l'activation de la cité RFR. La coactivation va pouvoir se faire, par exemple, avec. Donc les interactions, donc les FAT3 avec CD2, la facilité une fois activée, il va exprimer le CD80. Donc on va le voir tout à l'heure, il y a le CD activé. Au repos, activé, il va exprimer le CD80. Et l'interaction CD80 avec le CD28, donc ça va donner le signal de coactivation à l'intensité. Il y a aussi l'interaction. On a LFA3 avec CD2, parce qu'on est polonais, c'est un polonais, et donc, une fois la lymphocyte activée, et bien sûr, la lymphocyte activée va maintenant exprimer le CD40. Et là, si l'exprime le CD40, avec le CD40, ça va donner un signal encore plus pour l'activer pour poursuivre. On va donc faire le switch. Alors, donc, il exprime le CD40, bon, il exprime le FC gamma N2, le CD32, c'est le récepteur de moyenne activité pour le fragment FC de GG, et le CD22 avec le CD19 et le CD21, le co-récepteur, qui donne un signal peut-être négatif. Bon, les fonctions de lymphocyte B, c'est évident, c'est la production d'anticorps, pour tu vois les plasmocytes, et la présentation de l'antigène ou lymphocyte T helper CD4+, avec les molécules HLA classe 2 MTAP. Alors, comme sous-population pour les lymphocytes B, les lymphocytes B conventionnels, on a une info de lymphocyte B, c'est dans le sang, etc., qui produit une grande répertoire et diversifié, sans etc. Bon, il y a une sous-population de la lymphocyte B. Hein? Il y a une sous-population de la lymphocyte B qu'on va trouver dans le cavité péritoneal, dans la plaie, etc. Et qui sont caractérisés par l'expression de CD5. Du coup, CD5, c'est un marqueur T. Et la lymphocyte B explique, tous les lymphocytes B expliquent CD5. Mais ce n'est pas un marqueur commenté. À la CD5, il y a une sous-population de la société qui exprime CD5. Il y a une CD2. Il y a 23% des cellules MK qui expriment CD2. Donc CD2, ce n'est pas un marqueur de CD5. Hein? Et ces lymphocytes DCD5, donc, ils sont caractérisés par la capacité de renouvellement en périphérie. Ça va se renouveler. Et donc ils vont produire des anticorps surtout des classes IgM, qui sont très peu diversifiés, qui sont très polyspécifiques, le même anticorps dans plusieurs anticorps à la fois, mais avec une faible affinité. Hein. Et c'est lymphocyte BCD5+ répond plus aux antigènes glucidiques que aux autres antigènes. Ok, pour les B. Alors, les marqueurs de lymphocyte B activé, de lymphocyte B activé, c'est vrai, je ne sais pas où est-ce que j'ai passé la diapo, parce que je l'ai sauvé, lymphocyte B activé, il y a chez lui, réponse chez lui, CD80, qui correspond au B7, B7BB1, c'est CD80, B7BB2, c'est CD86. Vous voyez, moi, tous les deux vont interagir avec CD28 à la surface de l'anticité. Et ça, c'est un signal très important de coactivation. Donc pour le T, il y a besoin d'un signal d'activation, d'un signal de coactivation. Sans quoi, c'est l'allergie, un genre de problème. Donc, CD80, CD23, l'anticité avec B, CD23, et de récepteur de faible affinité pour le traitement des CDIGB. Et l'excès de CD10 aussi. Alors, les T maintenant, le CD40 est exprimé sur les B de façon constitutive. Hein? 45 R. Hein? Oui.
Mémoire de société. Alors, là, c'est le verbe cité. Il faut aller ainsi. Hein? C'est la tête sur le verbe de la tête. C'est plus ça. C'est plus ça, c'est la tête. Et, alors, et là, vous citez. Alors, si ça vient de plus, donc là, vous citez, c'est que j'ai ensemble dans le sud. Alors, dans le plus, on s'est vu sous charlie. Donc, rentre sur le Nautilus, rentre sur le Nautilus, sur le Nautilus, etc. Il n'y a pas de circulation lymphatique dans le Nautilus, il n'y a pas d'antigène. Et donc, les cellules souches infolies vont nous donner donc une lymphocyté. Lymphocyté gamma-bêta et lymphocyté alpha-bêta. Alors, dans le sang circulant chez l'adulte, 90% de l'infocyté circulant, c'est de l'infocyté alpha-bêta. Mais chez l'adulte, si on voit les muqueuses, notamment les muqueuses intestinales, hein, la grande majorité des lymphocytes des muqueuses intestinales, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'infocyte intra-épithéliaux. Et la grande majorité des lymphocytes intra-épithéliaux sont des lymphocytes gamma-bêta, ATCM gamma-bêta. Et puis, au cours de l'embryogenèse, pour l'aider, au cours de l'embryogenèse, on commence d'abord par produire la lymphocyté CD5+. Le nom moins évolué, plus après, par le chevet, on produit beaucoup plus de lymphocyte conventionnelle. Pour l'aider, c'est pareil aussi. On commence à connecter gamma delta, il y a encore plus appelé, il y a moins de diversité, il y a moins de variation, etc. Donc, au cours du premier. La semaine d'alliance de l'année, on produit la musique à PCR et à la delta, on parle de chair, donc on produit plus de PCR et de PCR et de la delta, avant la naissance, donc les proportions s'inversent, donc 90% de la physique. Donc à la naissance, comme chez l'adulte, la grande majorité de la musique circulante sont de la musique à PCR de type alpha beta. Alors, comme pour comme vous voyez dans le sur la chaîne ça, là, à l'infopolésie, on a deux choses. Une prolifération cellulaire intense, qui va que ce n'est pas une cellule souche à qui va donner la nécessité, il y a beaucoup de prolifération. Mais il y a beaucoup de forces cellulaires aussi. Et puis, il y a des guerres sur tous les organes, c'est le petit surtout à circuler à l'infopolésie. C'est parce que dans le tibus, il y a un micro-environnement produit ce qu'il faut pour permettre de former, de produire des dés à partir de cellules souches infolies. Donc, les cellules stromales du thymus vont jouer un rôle très important dans la différenciation de l'infocyté. Je vais les cellules stromales du thymus. Les cellules épithéliales, corticales et lumineuses, les macrophages et les cellules interdigites à la partie. Les cellules dendritiques, c'est une variété de cellules dendritiques qu'on va trouver dans le thymus. Les cellules interdigitées, les macrophages et les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, en tout cas, et les lumières. Et pour jouer un rôle important, via quoi? Via l'interconnexion membranaire, notamment les traitants qui vont impliquer le PCR nouvellement formé, les molécules HLA, la 5 et la 2, et les petits antigéniques. Donc, les contacts membranaires, et les souris. C'est-à-dire, comme la LISF, qui dit, mais c'est même, là, mais il y a pas, bien sûr, pour l'activation, l'IL2 pour la prolifération. Et l'IL3, c'est la cytokine par les matopoïdes et le colpus. Alors, l'IL2, qui c'est qui produit l'IL2? Les lymphocytes T jaunes.
هنا 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 L'infocyte IL2, c'est que l'infocyte T. Aucune autre cellule ne peut produire de IL2. Et c'est très simple. Et c'est très simple. L'infocyte T, l'infocyte T, peut-être que par exemple, la régulation somatique, par exemple, vous dites que c'est un IL de diversité pour les gènes des immunes de l'IL. Peut-être pour les gènes du PCR, jamais. Allez, allez. Parce que. L'infocyte B, supposons qu'il fait mutation, mauvaise mutation. Il donne un auto-antiqueur. Comme le chien installé, il y a le T, il y a le T suppresseur, etc. Hein? Si un T, il y a une mutation somatique, c'est un des mécanismes de diversité. Va partir un T fait une mutation pour avoir des PCR de la réalité, un PCR auto-réalité. Ici, il va le contrôler. Là, c'est chez l'infocyte B, l'infocyte B, notamment l'infocyte B, c'est eux qui contrôlent pratiquement toutes les réponses immunitaires, hein, quand même. Et au cours de ces réponses, tout l'été, il était encore. Et donc, il y a cette phase de prolifération nécessaire, hein, quand même. La réponse spécifique, hein, cette prolifération cellulaire. La prolifération de l'infocyte B, c'est lié à deux. L'IL2, c'est pratiquement l'une des rares, je ne suis pas dans le cas de la seule l'une des rares, c'est l'IL2 autocrine. Et là, on a testé un terme, donc l'infocyte T, l'IL2 de terme, il joue un rôle clé pour sa prolifération. Le système de Schrödinger, il va la produire l'IL2 tout seul. L'infocyte T est l'erreur en particulier, c'est lui qui a des tests. C'est le T qui produit l'IL2. Et donc, dans ces cytokines, dans le thymus, si vous faites une cause de vous regardez les cellules, je ne sais pas, je suis sur le T. Comme c'est les petites cellules rouges, hein, quand même. Comme les petites cellules rouges, H, on voit l'infocyte, on voit le machin, on voit le pro, ou le pré, ou le mature, etc. Un peu les et donc, les animaux, thymocytes. Donc, on peut le faire un petit aussi. Et donc, l'IL2 n'est produit que par les thymocytes. Donc, on peut essayer de la limiter. Et l'IL1 et l'IL7 sont produits par les macrophages, les macrophages, etc. Et l'IL2 par les thymocytes. Et puis, thymocytes et cellules stromales produisent l'IL3. Hein? Bah. On a T gamma delta, hein, quand même. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Il y a aussi cette sous-population de la facilité qu'on appelle NKT ou TNK, qui sont de la facilité avec un PCR. Hein. Un PCR généralement alpha-beta, il est très peu diversifié. Hein, très peu diversifié. Et ils sont généralement de la facilité. Gamma delta sont généralement de type CD80-CD8-. Les LKT sont généralement de type CD80-CD8-. Et voilà, je salue au LKT parce qu'ils partagent avec les cellules LK, donc ce marqueur LK1 qui est un marqueur caractéristique des cellules LK. Bon. Et donc, hein, les deux sous-populations minoritaires de la facilité, les T gamma delta et les TNK ou NKT, eh bien, dans le thymus, ils vont revenir directement des cellules protéines précoces. Voilà, le double négatif là au ils vont directement nous donner les TNA et les TGA delta. Pour la grande majorité des lymphocytes, à PCR, à l'alpha delta, ils vont m'asseoir à CD4+, soit CD8+, eh bien, il va y avoir trois stades, comme ça. Trois phases, donc ça va prendre, c'est un phénomène, on continue, progressive, mais avec trois phases, cellules double négatives qui vont s'articuler autour de l'expression ou non des marqueurs cellulaires. Le premier stade, le stade proté, ça va être le stade double négatif, c'est les 4 mois, c'est les 8 mois. Le deuxième stade, le stade
ça va être le stade double positif, c'est le 4 plus ou 8 plus. Et le troisième stade, ça va être le stade, il y a Marfou, en périphérie. Soit c'est des 4 plus, soit c'est des 8 plus. Vous voyez, donc, en fait, dans le thymus, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir à partir de la cellule souche lymphoïde va nous donner le thymocyte double négatif. C'est des 4 moins, c'est des 8 moins, c'est des 3 moins aussi. Et à partir de cette cellule, donc, il y aura l'expression de CD3. Et puis, s'il y a un réarrangement peu diversifié à la bêta, archaïque, etc., pour donner un des expressions des NK, ça va donner un TNK, c'est des 4 points, c'est des 8 points. S'il y a un réarrangement gamma delta productif, ça, double négatif, torche gamma delta, donc on est au chuteau. Et puis, on va passer par un stade double positif, c'est des 3 plus, c'est des 4 plus, c'est des 8 plus, soit c'est des 4, soit c'est des 8. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est c'est très simple, donc double négatif, c'est des 4 moins, c'est des 8 moins, l'expression de CD3, soit gamma delta, soit alpha delta, peu diversifié, pour donner soit T gamma delta, soit TNK. Alors, donc, on commence par le stade double négatif. Et bien, donc, c'est la cellule Pro-T qui dérive directement de la cellule souche lymphoïde. Les gènes du TCR, ils sont en configuration générale. Alors, cette cellule va exprimer la TDP et les produits des gènes RAD1 et RAD2 pour les réarrangements. Les réarrangements sur les gènes. Bêta, la chaîne lourde, t'as TCR et bêta. La chaîne légère, il y a alpha. Le gamma delta, la chaîne lourde, c'est bêta, la chaîne légère, c'est gamma. Donc on va exprimer, comme tout à l'heure, par exemple, C-kit, hein, avec le SCF, stem cell factor. Hein. Ça va exprimer donc, le TDD, RAD1, RAD2, donc le CD3. Et puis, dans CD25, pour recevoir le signal de l'IL2 pour la prolifération, et le réarrangement va commencer sur bêta. Donc, qui va ça? Qui va s'écrire d'abord DG, puis VDG. Si les deux chromosomes. Alpha, delta. Alpha, delta, chromosome 14. Delta gamma chromosome 7. Donc, si les deux gènes bêta sur le chromosome 7 sont perdus, donc, et gamma delta s'est coupé aussi, donc c'est vite même. Hein. Sinon, dès qu'il y a un bon réarrangement privilégié sur l'un des gènes, donc l'un des chromosomes, donc on va avoir une chaîne bêta, qui est un VH, c'est delta. Alors, comme tout à l'heure, cette chaîne bêta, obtenue par un réarrangement fonctionnel productif, va s'associer avec une pseudo-chaîne légère, avec une chaîne légère de substitution, une pseudo-chaîne alpha. On va appeler PT-alpha, ou LPT-alpha. Il va s'arrêter à PT-1, PT-alpha, PT-alpha. Et donc, la chaîne bêta avec PT alpha et le CD3, ça va constituer le pré-TCR, pas le DTCR, c'est un TCR de substitution, bien sûr, c'est un pré-TCR. Et l'expression de pré-TCR signe le passage au stade suivant, le stade double positif. L'ORTAP va exprimer CD4 et CD8. Mais le double négatif, ça passe à double positif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Medlou, le thymocyte qui arrive à faire un bon réarrangement gamma, bêta, hein, tout de suite, ou alpha, bêta très peu diversifié, etc., ça va sortir tout de suite sous forme double négatif, gamma, delta ou NKT. Hein. Et donc, là, dès qu'on a comme tout à l'heure, cette cellule
double positif. Le premier stade, ça va être un stade où l'animal va proliférer. On a obtenu un réarrangement productif fonctionnel pour le départ, Eh bien, on ne va pas faire le réarrangement des chimoratoires tout de suite. Pour chaque combinaison des chimoratoires, cette cellule va se diviser plusieurs fois. Pour gagner une solution de cellule. On va, chaque cellule va faire son propre réarrangement, comme tout à l'heure. Donc, là, au cours de cette phase de prolifération, il n'y a plus besoin de TDP, de RAC1, RAC2, etc. Il n'y a pas de réarrangement. La cellule donc, se met à proliférer, va exprimer CD2, et puis va exprimer, à la fin, elle va exprimer donc, CD4 et CD8. On bat finalement donc. On va arriver à la petite cellule donc double positive qui va maintenant faire le réarrangement sur le gène alpha, Et donc pour cela, il va falloir réexprimer. Donc il va faire le réarrangement sur le gène alpha. Dès qu'il y a un nouveau réarrangement alpha, donc, on n'a plus besoin de baiser alpha, la chaîne bêta va s'associer avec la chaîne alpha pour constituer un VTCR alpha. Et donc, on est maintenant au stade double positif, CD3+, CD4+, CD2+, avec un TCR. Alors, ce thymocyte qui vient de faire un réarrangement positif fonctionnel, vient de pas exprimer le TCR en fait. Ah, je suis pas capable. Là, je suis.